Yo les gens, bonjour à tous les gars, je suis le Darmadoc, j'espère que vous allez tous super bien les mecs. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars on va continuer notre let's play sur le jeu de Barnyard. On est du coup au... on est au let's play numéro 3 sur le jeu. Donc on va attaquer ça de suite. Oh tiens, je viens de voir que là on avait une pierre. Ok, pour de la mousse au chocolat visiblement, très bien. Alors on va prendre le biclou. Je sais pas du tout où est-ce que je dois aller, je vais voir ça. En tout cas, directement, on prend le vélo et puis on verra. Ah. On doit aller voir Otis. Dis-moi, mon gros. Yo bro, have you seen my post? Je sais pas ce que ça veut dire. Ok, donc j'attends. Ok, donc il attendait ses potes. Ok, en fait je dois aller. Ok, en fait je dois aller tous les voir en fait. Oh putain, frère, vas-y, ça me. Mais je vois rien avec cette caméra. Putain, j'ai failli tomber dans le... J'ai failli me casser la gueule. Bon allez, vas-y qu'on doit aller... On doit aller choper tout le monde. Donc on doit aller voir du coup le poulet, le porc et tout le monde. Bon, il y a Otis qui te cherche. Otis is looking for you. Ouais, c'est l'heure. Vas-y mon ref. Ok, donc le premier c'est fait. Il y a moyen qu'il y en ait que ce soit à la ferme. J'ai vite fait aller voir. Ouais. Oh là là. Let's go, ce flex. Et oh, il y a Otis qui cherche. Après, il y a aussi le coup du poulet aussi qu'on doit faire voler. C'était assez drôle. Yo mon ref, y'a Otis qui te cherche. Très bien. Ah oh, putain, qu'est-ce que je... Et le dernier, il est juste là. Oh là là. C'est bon, stop. Je voulais déraper, je voulais flex. Apec. Yo. Allez, un peu. Je skip les dialogues, hein, parce que voilà, on fait la mission. Oh tiens. Je sais plus ce qu'il y a là-dedans, mais c'est vrai que je me souviens qu'il y avait des trucs. Je me souviens plus de ce qu'il y a là-dedans, mais c'est vrai qu'on peut déterrer quelque chose. Ça me dit quelque chose. Allez, feu, c'est tout bon, ils sont tous là. Yeah! Let's boogie, ouais, c'est ça, ouais. Thank you, bah je t'en prie, écoute. 75 pièces. Alors, où c'est qu'on m'attend maintenant? Si c'est nulle part, je suppose qu'il va falloir que j'attende la nuit. Ouais. Ah, attends, deux secondes. J'ai un mess. Ok. Ok, donc en fait il veut que je les retrouve cette nuit. Donc on va tout simplement du coup les gars aller vite fait dormir. Du moins pour attendre que la nuit tombe. Hop là.
On sait jamais, hein, je sauvegarde au moins juste un coup. Ah. Ah, j'ai besoin de toi, il a un problème avec des ratons laveurs. Ah ok, je dois surveiller les œufs. Parce qu'en fait, en gros, il dit qu'ils aiment les œufs et tout ça, donc en gros, je vais devoir surveiller le bordel. Ok, ça marche. Je me souviens de cette mission. Nanananana. Quand même. C'est juste. Faut que je reste à côté au cas où, sait-on jamais. Tu vois lui, hop. Comme ça là maintenant je me focus sur lui. Hop là. Dégage! Allez, tourne la souris, bordel! Dégage! Oh là là, eh ben non, t'as pas eu le temps, mon ref. Dégage! On les a tous eu? Non! Je me disais aussi quand même. Allez hop là, 40. Et voilà, on a fait 40 en score. Let's go. Dune dune. Impeccable. On a une étoile, 240 en score. Putain, Ben il a fait mieux que nous. Bon, on a gagné, on a réussi quand même, on a quand même réussi les gars. C'est quand même beau. Très bien. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Tu as fait un bon travail cette nuit. Ah, ok, il nous file la clé. Wow! Ok, merci bien. Pasqué. Ok, ok. Bah écoute, merci beaucoup. Bah écoute, je vais aller pioncer. Comme ça, du coup, là, on se retrouve la journée. Puis on va tout doucement, du coup, continuer nos missions. Allez, réveille-toi, mon gros! Quête au parc. Ok, je pense que le poulet c'est pour... en fait le poulet parce qu'il y avait un moment en fait où il voulait apprendre à voler.
Il y a moyen que ce soit ça. Putain, mais le vélo. Putain, il est là, je passe à côté comme un con. Je passe à côté de mon vélo. Allez, feu! C'est là où il voulait apprendre à voler, je crois. Ouais, c'était ça, il voulait apprendre à voler, là. Je crois que c'était ça. Ouais, c'est ça, ouais, le poulet veut voler, ouais. Si tu peux pas voler si tu me lances, si tu me lances, etc, tu vois. Allez, ouais, tu me boostes, et puis en fait, le but, c'est qu'il arrive, voilà. Ok. Ça va pas? Ah merde! Pardon. J'ai cru qu'il fallait faut rester au milieu. Ok. Putain, c'est pas facile. Cinquante points pour Gryffondor. Voilà. 165. Étoile, bien évidemment. Je suis troisième. Waouh, c'est de l'abus. C'est de l'abus. Pourtant, j'étais bon en plus, hein. Nous l'avons fait. Pas de problème. Ah, c'était cool, blablabla. Bah, je t'en prie. A plus, mon ref. Et hop, on a eu un jeton de Gold Rush. Bon, maintenant, on va retrouver voir Otis. Tu vois, en vrai, les missions, elles sont quand même grave cool. Les missions, franchement, les gars, moi, je trouve que c'est grave chill, hein, ce jeu. C'est quand même assez incroyable. Il y avait un moment aussi où il voulait jouer au golf, je crois, je sais plus. Voilà. Je vous parle de golf. Et bah c'était ça. Voilà, bon là il va nous dire qu'il veut jouer au golf avec nous, etc. Je me souviens que le golf c'était pas facile. Dans ma mémoire c'était pas facile. Bon comme ça les gars je me souviens plus, donc on va peut-être recommencer encore une ou deux fois. Hein. Pas mal. Non ! Voilà, quand même. Pas ouf, j'ai cliqué 3 avant. J'ai cliqué 3 avant, c'est my bad. Merde. Oh, dommage, presque. J'aurais dû tirer un chouïa plus fort. Non! Voilà. Bien joué. Troisième trou les refs. On y est presque.
J'étais à côté, enfin j'étais très bien, t'as vu comme il l'envoie? Non! Je suis un âne, la vie de ma mère. J'ai envoyé trop fort, je savais pas que c'était... Je savais pas que ça envoyait aussi fort que ça en fait. My bad hein. Let's go. Wouhou! Allez, trop 4. You gotta love those golfers. Impeccable. Je sais pas si je l'ai passé là. Si. Ah dommage. Putain, c'est, j'aime pas trop comme c'est foutu le... La puissance avec laquelle tu gères, je sais pas, je trouve qu'elle est mal répartie en fait. Je trouve qu'elle est pas du tout égale. Tu vois? C'est chiant hein, quand tu passes juste à côté comme ça. Tu vois, putain. Alright. Trop 5. Je me suis bien démerdé là les gars, là je me suis bien démerdé. Trop 6. On se démerde en vrai, on se démerde bien. J'étais pas trop mal encore, j'étais pas encore trop mal. Là faut que je l'envoie quand même pas mal fort. Quitte à ce que lui me la renvoie, même pas en plus. Deux coups, oh putain. Allez, trois coups. Trois coups les mecs, trois coups. Allez, trou 7. I think we should go with the iron on this one. Cuatro. That means four. Ça va, elle est bien envoyée encore. Ah oui. Je l'ai pas chié. Je sais pas combien il en a des trous. Je sais pas combien il en a. Hein. Bien. Il doit y avoir 10 trous, je pense. Peut-être une dizaine de trous, je sais pas. Ok, bien joué. Putain, là, il va falloir quand même l'envoyer assez fort. Hein. Et alors, quand même, je suis à plus fort. Alors, hop, comme ça. Ah, putain. Non! Hop là. Non. Non. Eh ben. C'était bugué. Non. Pas trop loin, pas trop loin, espèce de con. Voilà, très bien. Là, elle va y aller, elle y va, elle y va, elle y va. Non, elle y était presque.
Let's go. Oh, yeah. Let's go. On a réussi. Wouhou. On a géré comme des chefs. 380. Incroyable. Oh, j'ai eu un A. C'est-à-dire j'aurais pu quand même faire mieux. Je suis quatrième. Bien joué. Non, en vrai, c'était propre, hein, les gars. Bien joué. Catch you later, bud. Catch you later. Allez, encore un jeton de Gold Rush. Ah, chapitre 3, la saison des coyotes. Les raccoons étaient bad enough, but there was worse coming. Coyote season. Coyotes are mad, bad, dangerous animals. Ben told everyone to be careful. Otis barely heard any of it. He was too busy checking out another new arrival. A sweet young cow by the name of Daisy. Eh ouais, il est in love, le Otis. Il a bien raison, quel homme. Alors, on va aller retrouver ceux qui veulent nous voir. Où est-ce que ça peut être? Dans la ferme, c'est possible. On va vite voir. Est-ce que c'est à la ferme? Non, c'est pas à la ferme, c'est là-haut. Ok, donc c'est vers la, peut-être là, vers la colline de Ben. Sinon, on va aller par là. Putain, c'est encore Otis, mais... Frère, t'étais juste à côté de moi il y a 30 secondes. Bon, j'allais voir ce qu'il me veut. Dis-moi, mon gros. Ah, putain, j'ai fait me casser la gueule. Looking good. Comment on va? Est-ce que t'as vu la nouvelle vache? Ouais, elle s'appelle Daisy. Ouais, il la kiffe. Ok, il veut lui filer des fleurs. Ok. Can you please... Ok, en fait, il veut 10 fleurs. Je sais pas, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, c'est ça. Ok, c'était ça. Ok, ok. Merde. Merde, c'est mieux pas ça. J'en ai que 4, ok. Là, il y en a encore ici. En fait, ça va, en fait, on est bien, en fait. Neuf, et puis on va en avoir 10, c'est bon. C'est bon, en fait, les gars. C'est bon, les gars. C'est bon, les refs, on en a 10. Allez, hop, on va la retrouver. Putain, je comprends pas ça. Putain, il va offrir des fleurs à une meuf et c'est moi qui vais les chercher, ces fleurs. Putain. Sans déconner, j'ai que ça à foutre. C'est moi qui vais chercher les plantes. Vous avez déjà vu ça, vous? Ouais. C'est trop mignon. Ouais, ouais, c'est de la part d'Otis. Ok, ouais, ouais, c'est bon, je vais lui dire, et t'es contente, etc. Allez, feu. Allons voir Otis. J'aime trop la musique comme ça, mec, c'est tellement chill en vrai.
Ça me termine, mais c'est trop bien. C'est tout bon, gros. Ouais, c'est bon, j'y suis allé. Ouais, ouais, elle est contente. Elle a vraiment aimé et elle me dit de te dire merci. Oh là là, t'es vraiment le meilleur. Oh, il me file un détecteur de métal. Il m'a filé le détecteur de métaux. Ça, c'est cool, ça. Vous allez voir, les gars, à la ferme, on peut trouver plein de trucs avec ça. C'est incroyable, je vais essayer de vous montrer. On va aller à la ferme. Et je vais, on va tester le détecteur de métaux ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment insane. Tu peux trouver plein de pièces avec ça, c'est vraiment génial. Alors. Le détecteur là, tu vois, ah, il s'affole. Oh putain, c'est de la merde. C'est de la merde. Il me trouve que de la daube. Il y avait un coin là, je me souviens ici. Ici, il y avait un coin, il y avait de la thune. Mais pourquoi j'ai que de la merde? Pourquoi j'ai que de la merde? Je veux de la thune. Y'a rien là. Allez. Au bout d'un moment il s'affole quand il va me filer quelque chose, non? Rien ici. Il s'affole pas là? Non. C'est abusé. C'est abusé. Pourquoi il me sort que de la merde? En général, moi, il me sortait. Des fois, genre, il me sortait de la thune. Oh, vas-y, c'est nul. C'est nul, je trouve que des boîtes de conserve. Bon bah tant pis. Bon, au moins on aura testé le détecteur de métaux, les gars. Et on peut dire que c'est grave cool. C'est pas là-bas hein, que ça me cherche à... Ouais non, c'est là, ok. Bon bah on va retourner là où était Otis. En même temps, c'est une machine à jetons, j'avoue que là, pour le coup, là, je dirais pas non. Pas ici. Ouais, faut que j'aille à la colline de Ben, ok. Je suis quand même curieux de voir ce qu'il y a là, en fait. Parce que je me souviens plus du tout, hein. Si on peut planter quelque chose là. Ok. Ah oui, puis après on peut aller jusqu'en haut après, c'est vrai. Il faut attendre en fait, je crois, non? Il faut l'arroser, mais j'ai pas d'arrosoir. Tourne! Bon, allons sur la colline de Ben. Ça se trouve, il a une mission pour moi. Je suis sûr qu'à tous les coups, c'est encore des canettes à décaniller. Ça, c'est certain. This is coyote season. C'est la saison des coyotes. Ouais, j'ai entendu.
Ouais, j'aimerais bien que tu ouvres les yeux et que tu. Et c'est que tu me préviennes en gros si tu vois des coyotes. Ok, je vais le faire, Ben. Ok, il me file une clé. Alright. Careful out there. Merci, Ben. Ok. Ah. Merde. La clé. La carte. Non, pas ça. Pas la carte, là. Je suis con, le téléphone, pardon. It's Nerdless and Dawn. See you tomorrow morning. On se retrouve demain matin. Ok. Ok, on se retrouve demain matin. Bon, les gars, moi je dis en même temps. Allez hop, let's go. On trace. On se fait de la thune. En fait, celui-là, il est trop facile à faire. Hein. Allez hop là. On a eu 100, les gars. J'ai presque envie de m'en refaire un encore là. Parce que là, ce soir. Ce soir, les gars, on peut encore aller s'acheter un truc là pour la soirée là qui font chez l'Otra là. On pourrait presque y retourner. Hein. Vas-y, tu sais quoi? Let's go. Le pognon, mon pote, le pognon. 460. Allez hop là, on en a 1000. Et voilà qui est beau. Et voilà qui est beau, messieurs. Bon, on s'est fait 200, on s'est fait, 100, pardon, pas 1000, je s'est fait 100. Voilà qui est beau, on en a fait 2, on a gagné 200 balles. C'est propre, c'est pas difficile en vrai à faire. Hein. C'est plutôt sympa, même toi ça rajoute un petit peu de contenu sur le jeu, c'est plutôt top. Hop là. Donc là du coup c'est normal parce que lui m'a dit le chien m'a dit retrouve-moi demain matin. On va pas aller acheter maintenant hein, pour la soirée hein, parce que j'aimerais bien économiser 1000 pour le plateau de danse. C'est où que qui m'attendent les autres là? C'est en face? Ouais. Alors donc on va déjà aller voir le clébar. Hello, my friend. Salut mon ami. Ouais, j'ai un détecteur de métal, ouais. De métaux, pardon. Ouais, donc c'est le moment de l'utiliser. Ok, il a enterré des trucs dans la ferme. Ok, utiliser le détecteur de métal pour les retrouver, ça marche. Bon, j'en ai déjà un paquet en plus. 9 sur 10, gros. J'attends juste d'en retrouver une. Ou deux, genre en fait j'en retrouve une et puis c'est bon. C'est worse. Hein. Putain, y'a un truc là-bas aussi pour les jetons. Putain, je vois rien là. Il s'affole pas le truc. Hein. Non, pour l'instant c'est calme. En fait, s'il s'affole, c'est que d'un coup quoi.
Et voilà mon ref. T'as heureusement que j'ai voulu. En fait, je l'ai pas perdu en fait. Le temps que j'ai voulu à vous montrer ça. Ah, c'est bon, ouais. C'est bon. Allez, nice work. 100 balles. Impeccable. Mec, il. Ah, lui, il était paradin, lui. Ça, c'est top, ça. Ah, lui, faut pas le surveiller pendant qu'il dort parce qu'il a envie de bouffer les poules. Ah, il pense qu'à bouffer. Je suis affamé. Je veux dire vraiment affamé. Vraiment affamé. Ouais, je crois que j'ai compris. Ok, en fait, il a besoin de bouffer. Est-ce que tu peux m'apporter une carotte? Ok. Ok, en fait, il veut des fruits du jardin. Ok, en fait, va falloir aller dans le potager, en fait. Alors, par contre... Je veux bien, mais... Ah, ok. J'allais dire, moi, je veux bien, hein, mais... Où est le biclou? Allez, feu. Allez, feu, on va lui chercher ses fruits. Alors, carotte. Ok. Oui. Chaque fois j'en ai pris deux, comme un con. Ok, c'est fait. C'est fait, on retourne le voir maintenant. Vous avez vu ça les gars, ce dérapage du seigneur? Incroyable hein. Oh putain. Allez hop feu. Mais en fait, t'as tellement de time en fait. Genre, t'es chronométré, mais t'as tellement de temps pour pouvoir faire l'émission. Eh bah, c'est bien, il a eu à bouffer. Très bien. Y'a un moment où en fait, il fait des rêves. Et genre, c'est comme le raton laveur, faut l'arrêter, je crois. Un truc comme ça. 100 balles, allez, let's go. Qu'est-ce que me veut Otis? Ouais, on verra après le message. Looking good. No man. How far can you? Je sais plus, je sais pas ce que ça veut dire. Ah ok. Ok. Ça me dit quelque chose comme ça la mission. Ça me dit quelque chose. Skirt around the farm. Alors. S-Q-I-R-T. Ok. Non, bah non, merde, je suis trop con. Bon bah très bien. Non, ça devrait être bon là. Je pense à peu près là sur son record de machin là. C'est bon mon ref? Yeah. Et voilà, il est content. Bon bah ça va, on a fait un bon on a bien tiré. Awesome. Gotta go. Ouais, c'est ça ouais. Oh bah c'est bien, on a eu la clé du golf. Donc là maintenant c'est plus loin qu'on a besoin de nous, ça marche. Juste retrouver le vélo. Où est-ce que j'ai foutu le vélo? Je sais pas, en attendant.
En attendant, je vais quand même enregistrer. Il est où, il est où? La merde. Ah oui, c'est vrai, il était là-bas. Il était là-bas vers... oui, c'est vrai. Quand même juste ouvrir la carte. Je vais ouvrir la carte juste pour pouvoir voir quand même où est-ce que je dois aller. Ah c'est ça, c'est pas là-bas que je dois aller. C'est ça, ouais. Hop, gauche et puis... Ok, 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 ok. Putain, j'ai bien fait de regarder parce que j'étais pas sur le bon chemin. Tourne la caméra, merci beaucoup. Vous avez vu ça les gars, je m'énerve même plus quand je détourne la caméra. Au bout d'un moment... Let's go. Allez, suivant. Je me souviens plus trop de cette zone. Ah, ça me dit quelque chose après. En fait, ça me dit un peu quelque chose. Ok, donc là, on retourne dans la forêt. D'où les abeilles. Putain, c'est pas là qu'ils volent les bagnoles. Ah non, c'est Ben. Il semblait que c'est là qu'on volait les caisses des... je sais pas, des gens après, tu sais, avec les vaches de Jersey, c'était drôle. Hello, youngin. Salut, ouais. Ok. Junior, let's... ok, donc là il me parle des gosses. Ok, ça marche. Je vais devoir les kisser visiblement, non? Si j'ai bien capté. Ah non, ouais, non, c'est ça. Non, pour l'instant, on va simplement... Hop. Putain, maintenant, c'est qu'il commence à en avoir beaucoup, quand même. Allez hop, la lost, la lost. Putain, elle est derrière là, elle est chiante. Level 1. Oh putain, c'est trop chiant. Mais... Oh, putain, vivement que je reçois ma nouvelle souris parce que je vous assure les refs que je sature. Hein. Level 2 clear. Alors là par contre niveau 3 là il y en a. Attends parce que celle-là je sens que celle-là elle va m'emmerder. Voilà, on va directement la faire tout de suite. J'ai plus de lait, bordel. J'ai plus de lait. Vite, on a déjà un quart, il en reste encore 12. Je vais aller arroser la dernière avant de me reprendre du lait.
Impeccable. Je pense que je me fais les dernières qui sont là. Impeccable. Et une étoile. C'est propre. Et on est premier, largement, sans points d'avance. C'est classe. C'est clean. Moi, je trouve ça clean. Impec. Well done. Well done, merci. Ah, tu vises bien. Reste modeste. 100 balles encore. Trop bien, gros. Trop bien. Allez. Ah, attends. Il m'a envoyé un mess. Je vais voir où est-ce qu'il veut. Alors, le téléphone. Il veut me retrouver. Ah ah. Meet me in the barn tonight. Ok. Est-ce que je peux te voir au. Ok. Donc, lui, par contre, lui, il veut me voir au. Au verger. Bon, bah, écoute, on va aller le voir. Et pour ce qui est du des vaches de Jersey, je pense que là, ça va peut-être être les courses de voitures. C'était tellement le feu aussi. Ah merde. Tiens bah je peux passer quand même là, par le golf. Bah oui, vu que j'ai ouvert le. Vu que j'ai la clé. Je me suis planté de chemin, visiblement c'était pas par là. Fais voir, je suis où là. Ah ok, en fait faut que je fasse demi-tour en fait. Ok ok, en fait je me suis. En fait je me suis. J'ai fait full merde. Ah oh, putain, nique ta mère. Voilà. Ok. En fait j'ai fait full merde en fait dans mon chemin. Je me suis pas du tout déplacé où est-ce qu'il fallait. Là je tourne à gauche. Ok. Ça commence à être la nuit. Je vais pas avoir le temps de faire grand chose. Bon, il va encore refaire. On peut encore faire une mission hein, s'il veut encore. Eh ben oui. Dis-moi. Hello again. Yo, encore. Ah, ok, new fly record. En fait, il va encore refaire le. Ok. Il veut encore refaire une volée. Moi ça me va. Je me suis dit aussi, il me semblait qu'à un moment il y en avait quand même plusieurs. Hein. On passe dessous, ouais. T'as là, on passe là-dedans. Ouais. Plus 80. J'aurais presque pu tenter le 90, hein, mais je sais pas, je me sentais pas. Why not après, hein. Une étoile et on est quatrième. Oh putain. C'est pas grave, bien joué. Parce que pourtant on a fait du lourd, hein, pourtant on a fait vraiment fait un bon score. Et voilà, il est content, puis en plus de ça, on s'est refait encore une petite mission, tu vois, c'est plutôt... c'est propre en vrai, les refs. Et un jeton de Gold Rush. Y'a pas un truc de Gold Rush ici, non? Ah, je sais pas, j'aurais cru. Bon, j'ai pas le temps de le retrouver à la ferme, il fait nuit. Donc je vais plutôt retrouver les autres là la nuit.
Alors, on va quand même save. Allez, hop là, on laisse monter ça. Alors, on va les retrouver à l'intérieur de la ferme, du coup. Welcome. Everyone's welcome. C'est ça, everyone's welcome. Genre, après, j'ai envie de me rejouer au billard. Ils veulent, soit ils veulent la course de voiture. Ils veulent la course de voiture. Voilà. Voilà, c'est ça, les gars. Ils veulent faire la course de voiture. Incroyable. Oh là là, regarde la tête qui fait, mon bovin, gros, c'est n'importe quoi. Allez, feu, let's go. La course de voiture, ça me rappelle trop. Savoir qu'à l'époque, j'étais très mauvais sur les courses de bagnole, en fait, comme ça. Et du coup, en fait, c'était mon père qui faisait les courses quand j'étais môme. Quand j'étais enfant, c'était mon père qui le faisait, parce que j'étais mauvais, puis j'avais pas envie. Et du coup, c'était mon daron qui le faisait. Il était trop fort, mon père, avec ça. Voilà, il est dans les choux. Il est dans les choux, le ref. Faut juste pas se faire arrêter par les flics, je me souviens. Je gère. C'est bon, les gars. J'ai joué à Burnout Paradise dans une autre vie. J'ai regardé Fast and Furious. Normalement... Puis j'ai le permis en plus, les gars, j'ai le permis, donc c'est bon, ça devrait aller normalement. Molo. Non, vous m'aurez pas. Tourne. Elle tourne mal, la bagnole, elle tourne mal, la caisse. C'est bon, on est premier. Let's go. Allez. Et on a gagné. Congrats. Impeccable. Ok, t'as eu de la chance. La prochaine fois, t'en auras pas autant. A plus. Vas-y, on a gagné, puis on a gagné 100 pièces. Bon, en plus de ça, maintenant, les gars, avant de retourner, du coup, là, le matin, on va aller s'acheter 2-3 trucs à côté, et puis on va aller voir vers le raton laveur, là, ce qui serait chaud de nous vendre. Allez hop, on entre. Alors, bye. Fun and game, qu'est-ce qu'on a là-dedans? 500. Putain, c'est cher. Hein. Free delivery. Non. Parti, qu'est-ce qu'on a là-dedans? 250. 1000, pourquoi je peux pas? J'ai assez! T'es sérieux? Allez hop, le piano. Décoration. La merde. Ah non, mais putain, mais ça... Allez, des bons trucs, là, achetez, là, que ça mette un peu d'ambiance, là, parce que c'est rincé. Ça, on achète. J'ai plus rien. Bon, on a acheté pas mal de trucs, là, les mecs. Là, on a fait les achats Ikea, là, vous voyez. Allez, hop, on recule. Vas-y, va. Alors, j'ai juste envie de voir en fait ce que ça donne, ce que j'ai acheté. Est-ce qu'on le voit à l'intérieur ou est-ce que c'est genre en dessous, là où il y a le chien et puis le billard? Juste histoire de voir par simple curiosité. Ah, bah tu vois, il commence à déjà y avoir un peu plus de table déjà. Ah, puis il y a la scène.
Ah bah y'a ça, maintenant on pourra peut-être danser bientôt là. Vous voyez les gars, il commence à y avoir plus de choses. Ça y était pas avant aussi, ça je crois. Non, il commence à y avoir plus de choses les gars, c'est plutôt top. Là y'a toujours rien, bon bah là c'est toujours rincé par contre. Mais par contre en haut... Par contre ici maintenant, là on commence à avoir des petites choses, il y a des tables en haut et tout, non c'est top. Avec ce qu'on achète au bout d'un moment, ça commence à devenir une bonne soirée. Bon, on va aller pioncer. Reviens vite. Allez, on roupille. Et on enregistre, impeccable. Les gars, je pense qu'on va se laisser là pour la cette troisième partie sur du coup le jeu Barnyard. J'espère bien évidemment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours lâcher un petit like, commenter, puis bah, vous-même vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.